Alors qu'est-ce que vous avez à dire là sur le semoir en lui-même? Seul défaut qui a ce semoir, c'est quand le vent et surtout leur plaquette publicitaire, ils mettent un interligne 12,5. Bah, je crois que bon, le Pego ça doit être italien, on ne doit pas avoir les mêmes mètres en France qu'en Italie. Parce qu'on n'est pas un semoir, hein, on n'a pas un interligne de 12,5. D'accord. Bon, quand on regarde, chaque élément semeur est bien monté avec un bon, une rangée. La première rangée sont à 25, la deuxième rangée en quinconce, 25 aussi. Ça devrait faire 12,5 cm, mais seulement, ils ont dû oublier chez Alpego que leurs disques ils sont concaves. Ouais. Donc, la ligne avant par rapport à la ligne arrière se rejette l'une sur l'autre. D'accord. Donc on aurait plutôt un interligne défaut de 7,5 à 9. Et après, bon, bah, le reste, grand écart à côté. Donc à chaque fois, on se retrouve avec deux lignes fort serrées, un grand écart, deux lignes serrées tout le temps comme ça, quoi. D'accord. Et ça, à la base, ouais, quand on l'a acheté, c'était vendu pour du 12,5 d'écart. D'accord. Bon, alors, on a fait déjà plusieurs réclamations, tout ceci, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et vous avez fait des réclamations? Vous avez fait des réclamations à qui, en fait? Au début, on a réclamé par rapport au revendeur de la région. Oui. Bon, bah, lui, il a fait remonter le... Au concessionnaire, quoi. Le concessionnaire. D'accord. Il a fait remonter l'information. On a même appelé, on a eu le représentant. Bon, il y a eu des photos qui ont été faites et tout, mais on attend toujours, toujours des nouvelles. Et alors, et c'est lié à votre semoir ou... vous me disiez, ça peut être le bâti qui a été mis à l'envers. Le concessionnaire, un agent du concessionnaire est venu voir, oui. Il ne comprenait pas bien, bon, ils ont regardé, oui. Parce que bon, bah, lui il en a d'autres qui tournent dans la région, le même, oui, modèle, c'est vrai qu'il me disait ça fait pas ça sur les autres. Ça fait pas ça sur les autres, d'accord. Et bon, ça le fait peut-être, il n'y a pas un écart, mais c'est pas aussi marquant. D'accord. On se demande s'il y a eu un bon... Bon, on ne peut pas dire d'écarter les éléments semeurs parce qu'il n'y a pas assez de place sur le bâti. Il se demande s'il n'y aurait pas dans le, par rapport au châssis des doubles poutres qu'il porte, si elle n'a pas été montée à l'envers. Du fait qu'il y aurait la barre avant par rapport à la barre arrière, elle devait être soudée en décalé. D'accord. Et ce qui corrigerait justement le phénomène du disque concave. C'est relativement précis. D'accord. Bon, après, d'une variété de semences, après, de même des fautes dans la même, ce variété de semences d'un semencier à l'autre, on peut avoir des différences, quoi. Oui, oui. Bon, après, il faut toujours corriger, faut contrôler, quoi. D'accord. On l'invente, bon. L'avantage quand on reçoit encore le blé en sac, quoi. Les semences en sac, on peut plus facilement contrôler. Non, voilà, contrôler le poids. On a mis un big bag, c'est plus pareil. Ouais. Il y a une roulette à l'arrière là du semoir, ça appuie bien ça? Elle sert à quoi cette roulette? Le contrôle de la profondeur? Non, c'est pour appuyer la ligne. Et c'est bien? En terre argileuse, vous avez beaucoup de limaces ici? On essaie de ne pas en avoir trop en suivant tous les angles. En terre argileuse, elle rappuie un peu, mais bon, elle ne va jamais refermer entièrement la ligne. On reste toujours sur du... On n'est pas sur du travail de printemps. Vous allez semer des engrais verts ou autre chose au printemps, là, elle va refermer, quoi. Sinon, la rampe de semis est directement prise sur le paquet. Elle est fixée sur le paquet, là, comme ça. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est un gros avantage. Vous réglez votre paquet. Après, ouais, quel que soit bon, le terrain peut bouger, le paquet, lui, il a toujours suivi le terrain. Dans votre barre de semis, elle suit le paquet, quoi. La tête de répartition est à l'arrière, elle est en dehors de la trémie. Ouais. C'est bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Rien à dire. Ça ne gêne pas dans la trémie, elle est bien placée, on ne sait pas là. Ouais, et lui, là, nous on l'a pris avec une turbine hydraulique. Ouais. Comme ça, quand on lève la rotative, bon, bah, la prise de force s'arrête. Ouais. Mais on n'a pas de variation sur la turbine, elle garde sa vitesse. Sinon, à prise de force, à chaque fois, elle s'arrête. Ouais, faut laisser tourner la rotative, mais comme on veut lever assez haut, bon, sinon c'est la cardan qui claque. Mais ça prend beaucoup de puissance hydraulique qu'elle soit prise sur la... Non, non, non. C'est pas dur à faire tourner. D'accord. Ça, c'est quand même le boîtier. Et donc, ça, c'est le boîtier en cabine, ouais. Ouais, ça, c'est le boîtier. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec?
Bah, il y a le contrôle de vitesse de turbine. Ouais. La vitesse d'avancement, donc du sous-air. Ouais. Ça change, ça varie un peu par rapport au tracteur. Forcément, le patinage. Après, il y a le contrôle de trémie. Bah là, justement, c'est pour ouais. ça que ça vibre parce que je vais ouais. faire le plat. Après, bon, ici, c'est parce que nous, on l'utilise pas. Et la coupure de tronçon. Ouais. On peut couper des tronçons pour les lignes de pulvérisation. Ouais. De cet élément-ci à cet élément-là, ouais, il y a 25. Ouais. De cet élément-là à celui-là, il y a 25 aussi. Ouais. Donc on divise, ils tombent dans l'axe. Les supports par eux-mêmes sont bons, ils sont pour 12,5. Mais de par rapport à la forme du disque et concave, ce disque-là jette dans ce sens-ci, ce disque-là jette dans ce sens-là. Ouais. On a perdu les 12,5. Un petit peu, ça va peut-être faire la trace. Là. Est-ce qu'on voit la trace? Ah ouais, on voit, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Enfin, on peut mesurer, une ligne de semi ouais. ici, une ligne de semi ici. 8. Ok, au lieu de 12,5. Bon, celle-là, ouais. On prend du note. On voit une ici, on la voit bien. Ah, ça fait la trace là, puis il y a même les graines. Ah, celle-là, c'est peut-être encore mieux, il y a quelques grains qui ont tombé. Là, là, pareil, 8,5. Ok. Et après, si, deux, ouais, et après si on prend le grand. Donc après, si on veut prendre le grand écart, voilà, ici, là, on de a... là ouais. à là, ouais. je me retrouve avec à peu près. Allez, en direction 13,5, 14. Ouais, au-delà de 12,5, d'accord. Voilà. D'accord, bon. On ne peut pas faire plus explicite. Très bien, qu'est-ce que j'allais dire? Vous me disiez aussi les modifs là, au niveau du, de la roue. Ils ont fait une petite modif parce que le boîtier d'entraînement, ouais. c'est une cardan. La roue, après il y a une cardan, donc il y a un boîtier transfert. Ouais. Ils l'ont mis vers le bas. D'accord. Bon, mais seulement ça c'est fort bien qu'on n'a pas les roues plombeuses, mais quand on a les roues plombeuses, ah, ça vient buter dedans. La roue plombeuse ici elle appuyait parce qu'avant il était plus avancé, on l'a fait reculer, après on était coincé avec la herse est triée à l'arrière. Mais il devrait faire c'est que le boîtier soit totalement carrément soit mis au-dessus. D'accord. C'est un petit détail, mais. Oui, dans les bons qui a son importance quoi. Hein. D'accord. Bon, le réglage c'est facile. Hein. Là, vous mettez votre herse rotative d'aplomb. Vous mettez votre herse rotative d'aplomb. Ensuite, à l'aide d'un bran, vous mettez votre barre de semi d'aplomb aussi. Et après, ensuite, avec un autre bran, ça c'est le bran pour mettre d'aplomb. Et avec le bran qui est ici, vous réglez votre profondeur de semi. La même chose de chaque côté, puis c'est tout simple. Et après, toute la barre de semi par le système de. C'est rattaché sur le packer par un broche à chaque côté et elle suit parfaitement le packer.